Peut y aller? OK, super. Alors, le contexte qui nous réunit ce soir, c'est que la maison d'édition Héliotrope fête ses 15 ans. C'est absolument formidable, on est très fiers de ça. Et les éditrices ont pensé à une série de discussions qui auront lieu dans les prochaines semaines, ici d'abord, mais dans toutes sortes de librairies à travers le Québec. Et toutes ces discussions-là vont tourner autour de réponses différentes à la question « À quoi sert la littérature? » Olga Duhamel-Noyer avait dans l'oreille la chanson d'Édith Piaf « À quoi ça sert l'amour? » Et elle s'est dit « À quoi ça sert la littérature? » Et puis elle a trouvé toutes sortes de réponses amusantes qui lui a permis de pairer toutes les auteurs, les autrices de son catalogue et de nous réunir. Alors, on ouvre la session avec Clara Dupuis-Morency et Catherine Mavrikakis. On va se demander si la littérature, par hasard, ne servait pas à rien. N'est-ce pas formidablement amusant? Alors, je vous présente les autrices qui sont avec nous ce soir. Catherine Mavrikakis, au centre de l'attention, reine de la soirée, créatrice et professeure de désespoir joyeux, elle se présente elle-même dans « L'éternité en accéléré » en 2010 comme ceci. « Je suis le fruit des traversées maritimes de mes parents en 1957, même si je ne suis né que 4 ans plus tard, à Chicago, au milieu des États-Unis, bien loin de l'océan, sur le plancher des vaches et du maïs, que mes parents n'ont jamais pu manger. Les Européens de leur époque voyaient le blé d'Inde comme de la nourriture pour les cochons. Je suis une fille du maïs, même si j'ai dû pour cela renier souvent l'Europe de mes parents. » Alors que maintenant la saison du maïs se termine pour nous cette année, Catherine a remonté le Saint-Laurent en Jeep pour venir nous parler à Québec de son dernier livre, « L'absente de tout bouquet », dans lequel elle tente de fleurir la tombe de sa mère en nous rappelant les bouquets de reproches que celle-ci lui adressait avec amour durant toute sa vie. De l'œuvre abondante de Catherine, « Tout est bon, comme dans le maïs à cochon ». Mais je vous parle particulièrement ce soir des collégiens qui ont particulièrement aimé les fantômes de la cave du ciel de Bay City, à qui ils ont donné le prix des collégiens en 2009. Clara Dupuis-Morency, qui est avec nous, elle a un faible pour la ville dévastée, la pandémie et les paradis artificiels d'Oscar de Profundis en 2016. Tous les étudiants et étudiantes en littérature du Québec rêvent, quant à eux, quant à elles, de pouvoir être aussi vitriolique qu'elle l'a été envers Régent Ducharme dans « Ça va aller » en 2002. D'ailleurs, selon les complotistes paranoïaques, ce titre préfigurait la réponse du Québec à la pandémie. Vous allez voir, ça va bien aller. Ça va bien aller malgré la pandémie. Alors voilà notre première invitée. Et pour notre deuxième, Clara Dupuis-Morency, elle a étudié la littérature française, puis comparée. Elle y a développé, comme vous avez pu le lire dans son premier livre « Mère d'invention », publié chez Triptyque en 2018, une autoréflexivité ostentatoire et phallique qui l'empêche, Dieu soit loué, d'être couronnée experte de Proust, Sebald et Claude Gahun. Elle a trimballé son refus obsessif des catégories en Allemagne, en France et à l'île d'Orléans, dont elle vous recommande les framboises. Selon les mois, elle ne lit que Christine Angot, ou n'écoute que la sommation « À dire la vérité » adressée aux journalistes par une chanteuse turque. Elle a publié chez Héliotrope en août son deuxième roman, « Sadie X », ou son premier, si tant est que le royaume déchiré de l'autofiction n'a pas encore été conquis par le grand genre dominant du roman. Si vous êtes venu ce soir en lui en voulant d'avoir écrit dans « Sadie X »,« Québec lui avait alors fait l'effet d'un décor de film », rassurez-vous, Montréal n'est pas épargné non plus. Ça chante beaucoup dans les textes de Clara. Et comme Chloé Delhomme, qui a produit des chansons avec son tout dernier livre, elle rêve d'endisquer en 2022 son premier hit dont elle m'a confié les paroles. « Sadie, Sadie, dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que ça dit? » Sur Spotify très bientôt. Alors... T'es très en forme, hein? On va être à la hauteur. Il a l'air de rien avec ses lunettes. Ouh, comme ça, on peut s'amuser quand même. Alors, à quoi ça sert la littérature? Évidemment, à rien. Alors, quand on pose cette question, en général, à quoi ça sert la littérature? C'est que, malheureusement, on a d'avance une liste de besoins potentiels en tête auxquels elle pourrait répondre. Ou une liste de problèmes identifiés qu'il faudrait régler.
Moi, je pense que Clara Dupuis-Morancy et Catherine Mavrikakis se trouvent toutes les deux dans un autre rapport à la littérature. Un où vous savez que la littérature va toujours répondre à côté de la plaque. Alors, je vous entendais bien dans ma tête répondre à cette question en vous disant « Mais la littérature ne répond à rien de ce que je sais. Elle répond à rien que nous ne sachions déjà pour le moment. Écrire, c'est un peu comme se soumettre au risque de perdre notre problème initial au profit d'une solution qui en crée de nouveau. » Ou de novo, pour citer le titre de la troisième partie du dernier roman de Clara, Celiex. Alors Clara, là-dessus, comme j'ai fini avec toi, je te lance. Je voulais savoir, dans l'écriture de Celiex, dans le processus d'écriture, est-ce qu'il y avait un problème avant qui s'est transformé et qui est devenu un nouveau problème durant l'écriture du livre? Le problème avec Jeannot, c'est qu'il y a toujours des questions intelligentes. Alors il faut toujours être à la hauteur. On est... le problème pour moi, c'était quand j'ai terminé Mère d'invention, on me dit tout le temps, mais on parlait toujours du roman que j'allais écrire. C'est-à-dire que c'est beau, c'est joli, tu sais, le jeu, mais quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? T'sais? Puis il y a des gens qui je recevais ces espèces de désir là, pas des gens qui voulaient que j'écrive un roman, puis je me disais, ben en fait, peut-être que oui, il faut que j'écrive un roman. Et le problème au départ, c'était la question de l'invention. Je me suis rendu compte que c'était très... Au départ, je pensais que le problème du livre, ça allait être, il faut que ça dise, justement. Pour qui il faut... faut que j'écrive un livre pour que ça puisse parler pour quelqu'un d'autre. Bon... En fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'était extrêmement compliqué d'inventer une autre réalité. C'est-à-dire que ce qui me vient naturellement, c'est d'écrire à partir de la réalité puis de la déplier, de la faire délirer un peu, mais vraiment d'écrire à partir d'une certaine forme de réel. Alors que ça me terrifiait, puis c'était très problématique pour moi de me permettre cette liberté que les choses soient autrement. C'est-à-dire que si on commence un roman, on a droit à tout, en fait. On a droit à tous les possibles. Puis pour moi, c'était vraiment terrifiant. J'avais pas compris ça, que ça m'obligeait, ça me forçait à une liberté par rapport à mon rapport à l'histoire, par rapport à mon rapport au récit. Moi, d'habitude, c'est comme... là où ça écrit bien, c'est-à-dire pas bien, mais là où ça écrit aisément, si on veut, c'est me confronter, me heurter au réel, puis de me débattre dans cette impossibilité-là ou impuissance. C'est comme si je faisais du lecteur. C'est comme si mon activité préférée, c'est de faire du lecteur le témoin, d'avoir enfin un témoin de cette impossibilité-là de vivre avec la réalité, mais d'avoir à me débattre avec elle. Puis à partir du moment où c'est comme... Je me souviens, il y avait un ancien étudiant à moi qui m'avait écrit, qui m'avait dit « Oui, c'est pas mal ton livre, mais quand tu vas être sur le terrain du roman, je pense que là, tu vas vraiment t'épanouir, tu sais, ou quelque chose comme ça. » Puis en fait, une fois rendue sur le terrain du roman, je me suis dit, j'étais pétrifiée. L'accueil critique de ton livre, pour le moment, justement, se rabat souvent sur cette surprise-là, que tu sois passé de l'autofiction au roman. Moi, j'ai l'impression que pour les lecteurs et les lectrices qui s'y penchent avec juste un petit peu plus d'attention, les échos sont très nombreux entre les deux projets. Mm-hmm. Pour te relancer là-dessus, je vais partir d'une citation de Mère d'invention qui, selon moi, aurait presque pu se retrouver dans Celiex, juste pour faire jouer un peu les deux textes un avec l'autre. Alors, tu écris « J'ose croire à la variation, au pouvoir de la variation dans le temps, à la possibilité qu'on ne rejoue pas toujours le même thème. » Il me semblait que c'était un peu une des choses que Sadie allait apprendre du virus. C'est comme si tu avais trouvé une nouvelle façon de retourner à une question similaire, au fond. La question de la possibilité de la variation. Oui, tout à fait. Je pense que c'était... c'est probablement une question... C'est-à-dire que je pense que c'est Catherine qui m'a aidée à formuler cette question-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a toujours obsédée dans mon rapport à la littérature. C'est en étudiant avec, puis pas juste en étudiant, mais c'est avec, en dialoguant avec Catherine que je suis arrivée à formuler cette question-là, que c'était la question de l'autrement, justement, la question de la variation. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est toujours en train de répéter le même récit, ou est-ce qu'on peut
ouvrir des routes, la voie des possibles, tu sais, la route où il y a encore plusieurs possibles qui sont ouverts devant nous. Et donc, je pense que c'était... Je vais toujours être en train d'essayer de poser cette question-là. C'est-à-dire que pour moi, ça serait ça. À quoi, parce que je veux dire, on est là... je pensais à ce soir, cette semaine, puis je me disais, en fait, l'espace de jeu dans lequel on est les trois ce soir, c'est de dire ça sert à rien parce que ça fait quand même partie de notre position commune à tous les trois, de dire non, ça sert à rien parce qu'il faut qu'on sauve la littérature de tous les usages qui attendraient de la littérature qu'elle puisse servir à quelque chose, mais puis qu'elle puisse nous sauver de quelque chose aussi. Puis en même temps, on a cette espèce de croyance quand même un peu folle, un peu délirante malgré nous, que ça, sans elle, où est-ce qu'on serait? Tout à fait. Ça serait pire. Je vais saisir l'occasion pour inclure Catherine dans la discussion, justement en parlant d'un sens possible qui serait celui de la tombe. En relisant cette semaine pour préparer la discussion de ce soir, vos derniers livres, Catherine, pardon, je suis un peu confus dans les vouvoiements, tutoiements. Tu peux me dire « tu ». Oui, d'accord. Comme à l'habitude. Oui, mais c'est ça. Mais là, le cadre public me donne soudainement l'impression. Je risque d'échapper quelques vous. Alors, relisant Oscar de Profundis, je me suis vraiment plus intéressé à la page où il est question du grand cimetière, qui est un des projets de la vie d'Oscar de Profundis, où il décide qu'il va rapatrier... les tombes de tous les artistes qui ont été importants ou importantes pour lui. Et il y a toute une réflexion à qu'est-ce que c'est une sépulture, est-ce que ça doit leur ressembler, est-ce que si on les sort de leur pays natal, ça a moins de sens. Mais à ce moment-là, lui, il veut juste les protéger aussi de la possibilité de leur disparition. Donc, il y a cette utilité-là de la tombe, qu'on pourrait peut-être même rapprocher de celle de la littérature, mais comme il y a beaucoup question dans le dernier livre de la tombe de la mère... Alors, je me demandais comment on fait une tombe dans un livre, comment on fait un livre tombe. Je vais d'abord prendre l'occasion pour remercier Héliotrope de nous avoir réunis tous les trois, parce que on se connaît, on est souvent ensemble, mais on n'est pas souvent ensemble dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on se dit vous maintenant. Et je vais aussi... donc, c'est vraiment une formidable association. Et association de malfaiteurs. Mais je veux aussi remercier Alexandra Arvizé parce que c'est grâce à elle qu'on est là. Elle est là dans la salle et elle attend un bébé, donc elle n'est pas toute seule, contrairement à nous. Et, je voulais simplement dire merci à Héliotrope. Alors, la question de la tombe et à Alexandra, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais la question de la tombe, je sais pas quoi en dire parce qu'un livre de tombe, c'est peut-être ce qui m'est le plus naturel. Donc moi, je le dis souvent. J'ai aucune imagination et je ne dis pas ça pour faire un peu fanfaron, peut-être, mais pas beaucoup, parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. Donc, un livre de tombe, pour moi, le livre est toujours un tombeau. Le livre est toujours quelque chose qui vient arrêter dans le temps, comment dire, peut-être quelque chose qui continuerait, mais je viens l'arrêter dans le temps. Les livres, pour moi, sont comme des précipités de quelque chose que je viens enfermer, encapsuler. Donc, c'est pour moi, faire une tombe, faire des livres tombeaux, c'est normal. Et longtemps, j'étais passionnée par les tombeaux littéraires, et je le suis encore. Donc, je ne sais pas si je sais faire autre chose, en fait. Je pense que je ne sais pas tellement faire autre chose. Est-ce que la littérature sert à ça? Oui, je pense que la littérature sert à faire des beaux tombeaux ou des beaux jardins, parce que Alex Noël, qui est dans la salle ici, m'a parlé du jardin à un moment donné, d'Eric Jarman. Puis pour moi, le jardin, c'est le tombeau, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est toujours à partir de matière morte que renaissent quelque chose ou que renaissent des choses, pardon, que renaît quelque chose. Donc, j'avais l'impression que c'est soit... Et je pense que je l'ai compris encore plus en écrivant le dernier livre. Est-ce que c'est le dernier? Oui, L'absence de tout bouquet, le livre sur ma mère. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression que le tombeau
était toujours un bouquet de fleurs aussi. Peut-être que je l'aurais moins senti si je n'avais pas écrit l'absence de tout bouquet, mais c'était toujours ça. C'était en même temps un lieu de commémoration et un lieu de potentiel. Oui, justement, j'ai l'impression que le livre est très marqué dans l'ambivalence mm-hmm. entre les deux. Puis ça m'a vraiment amené à réfléchir de le lire puis de le relire sur la difficulté de faire un deuil, parce qu'on ne sait pas au fond c'est quoi un deuil. Est-ce que faire son deuil, c'est de bien conserver ou c'est de bien se débarrasser, au fond? ça fait penser au livre de Lydia Flynn, « Comment j'ai vidé la maison de mes parents ». Je pense que je vais en ce moment, je pense qu'il y a une nécessité de se débarrasser aussi. Je dirais qu'il y a une nécessité de se débarrasser, que le livre aussi est un bon débarras. C'est-à-dire que quand on a fini un livre, ah, mon Dieu, hein, il y a quelque chose comme ça dans le livre, malgré tout, ça ne va pas m'appartenir juste à moi. Mais est-ce que ça sert ça? Alors, est-ce que, pour répondre à la question à rien, est-ce que la littérature sert quelque chose à rien? Est-ce que la littérature servirait à faire le deuil? Non, pas du tout. Je ne pense pas du voilà tout. Voilà qui est clair. Non, je ne pense pas du tout. Je pense que la littérature, c'est un lieu vraiment de souffrance pour moi. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement pour faire le deuil. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on fasse le deuil. Mais quand même, il y a comme le fantasme d'un bon débarras. Je ne me suis pas débarrassée de ma mère, mais je me suis débarrassée d'un livre. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme j'ai réussi au moins à me débarrasser d'un livre, alors que ma mère me pèse beaucoup... Bon, donc voilà, mais je crois pas que la littérature soit un lieu thérapeutique. Mais débarrasser, mais ils reviennent aussi, les livres. C'est ça. Parce que quand j'ai lu L'absence de tout bouquet, tu sais, je vous ai dit, c'est sûr que Fleur de crachat me revenait, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui venait, qui ramenait Fleur de crachat, parce que c'était la mort de la mère aussi. Puis c'était, il y avait quelque chose d'une boucle dans le temps. Il y avait quelque chose de très inactuel pour moi dans cette lecture-là. J'avais l'impression qu'il y avait une voie de communication directe entre les deux livres. Mais vous avez raison. Je pense que les livres, ils nous débarrassent un temps de quelque chose. Hein? Puis finalement, ça nous revient d'une autre forme, sous une autre forme, et on le sait pas. Je pense que vous avez raison. Et là-dessus, Jeannot a aussi raison de dire que c'est... votre livre est une métaphore. Vous, je vous vois, par contre. J'ai juste à m'en apercevoir. Mais il y a une métamorphose entre la mère d'invention et votre dernier, ça dit X. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose de pareil. Hein. Je pense mm-hmm. que peut-être les gens ne le voient pas. Mm-hmm. Mais moi, je trouve qu'il y a comme une persistance. Les livres nous reviennent sous une autre forme. C'est-à-dire... Mm-hmm. Oui, puis moi, j'ai l'impression que autant quand j'ai terminé Mère d'invention, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en débarrasser. Mmh. J'avais l'impression, j'ai passé les années, les mois, puis quelques années après, mais surtout les mois après la fin de l'écriture, puis la publication, surtout quand on s'en défait justement pour le lancer au monde, le mettre dans le monde, j'avais l'impression d'être, parce que j'écrivais chaque jour, mais je n'étais pas encore dans un nouveau livre, puis j'avais l'impression d'être comme sur la cloison du livre, la cloison, la porte fermée, puis de juste vouloir rentrer encore, puis je pouvais juste faire des espèces de suppléments. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser d'un livre. Alors que celui-là, c'est différent. J'ai eu l'impression de m'en débarrasser, mais c'était là où j'étais dans la vie aussi. C'est la psychanalyse qui... qui a aidé à cette transition. Ben, qui fait qu'il y a des portes qui se ferment puis il y a des portes qui s'ouvrent. Je nous relance sur Saïdi pendant qu'on y est, sur une question que je me posais sur le titre. Je vais y réfléchir à haute voix, puis tu pourras me détromper. sur le X. Mm-hmm. C'est drôle parce qu'on n'en a jamais parlé. Ça me faisait d'autant plus plaisir de pouvoir te poser la question en public. Avec témoin. Que tu es dans tout ce temps autour de ton livre, on n'en a jamais parlé. Saïdi, X. Le X est très présent dans tes deux livres. Le X est très présent dans Mère d'invention parce qu'il très rapidement il se met à remplacer les numéros de chapitres dans un grand bordel de multiplication des X à gauche, à droite. Puis c'est comme naturellement ce que tu utilisais aussi. Puis dans Sally X, c'est aussi ce qui sépare
les parties à l'intérieur, comme les sections à l'intérieur mm-hmm. des trois parties du livre, mm-hmm. une série de X. Mm-hmm. Puis on a de la misère à ne pas faire le lien entre ces X-là qui se recomposent, qui se multiplient, qui se divisent, puis le nom de famille du personnage. Mm-hmm. Et en général, quand on met un X, c'est pour biffer ou c'est, mm-hmm. c'est pour remplacer. Donc là, c'est assez formidable que ce qui soit biffé, c'est le nom du père. Mm-hmm. C'est la fille sans nom de père. Mais quand il est question de son père, il s'appelle aussi le Dr. X. Mm-hmm. Puis je trouvais ça drôle aussi de ramener ça au thème de la soirée. À quoi ça sert la littérature? Je t'imaginais avec une série de questions devant, puis tu lisais à quoi ça sert la littérature, puis je te voyais faire un grand X sur la question. Dire, je biffe. Je marque d'une croix pour dire, mon rapport à cette question, c'est un rapport d'opposition. Mm-hmm. Puis je trouvais ça intéressant que le X revienne jusque dans le titre. Puis je me demandais qu'est-ce qui t'avait amené à lui donner cette place. Mais tu m'entends. Mais justement, ce que tu racontes sur biffé, mon rapport d'opposition, parce que je pense que j'ai une personnalité oppositionnelle, probablement. Pour dire le moins. Mais c'était justement, c'était à ça que je pensais par rapport à ce soir. C'est que je me disais, forcément, on ne peut pas être dans autre chose qu'une ambivalence. T'sais, parce que, mais ce X-là, pour revenir au X, c'est le besoin de couper, justement. C'est le besoin de... Tu sais, ça revient à... Est-ce qu'une fois qu'on le met dans un livre, est-ce qu'une fois qu'on le met dans le monde aussi, est-ce qu'on arrive à rompre avec quelque chose? Tu sais, est-ce qu'on met quelque chose dans un livre, puis est-ce qu'on arrive à s'en couper? Est-ce qu'on arrive à s'en déposséder, dans un sens, tu sais, par le fait... Tu sais, pourquoi est-ce qu'on écrit, je veux dire... Puis là, je vais essayer de répondre, justement, ça sert à quelque chose, la littérature. Puis il y a la question de ça sert à quoi pour ceux qui l'écrivent, puis ça sert à quoi pour ceux qui lisent. Puis quand on écrit, souvent, on lit aussi, tu sais, mais... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire autre chose que juste de fantasmer dans notre tête, tu sais? Il y a quelque chose qu'on a besoin de sortir dans le monde puis de donner à autre chose qu'aussi on pourrait juste avoir besoin d'en parler ou aller en thérapie, si on veut. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'incarner quelque chose dans un texte puis de le donner au monde après? C'est quoi cette adresse-là? Moi, j'y pense souvent à ça, tu sais. Il y a quelque chose... Est-ce qu'on arrive à se défaire de quelque chose? Est-ce que, tu sais, le X dans C'est dit, c'est plusieurs choses. Justement, je pourrais pas fixer une chose que ça remplit comme fonction, mais c'est... Pour Cédi, c'est la discontinuité. Il y a quelque chose où c'est son rapport à l'oubli. Elle se défait un peu par moment, puis après ça, elle oublie qu'elle s'est défaite, puis elle continue. Il y a quelque chose aussi de... Est-ce que un rapport de discontinuité au temps? Oui, qui est vraiment fascinant et qui vient en partie de cette idée du virus, ces recherches-là que tu as faites sur le virus. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on en parle un peu... Je ne sais pas si tout le monde qui est avec nous a déjà lu le livre ou a le livre sous la main, ou peut-être qu'on pourrait quand même dire quelques mots juste de mise en situation sur ce qu'est le virus et ce que Sadie en fait. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur le X? Bien sûr, bien sûr. Je veux juste dire, c'est le féminin aussi, c'est le chromosome X, c'est pas le Y. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi dans vous parlez de biffet, vous parlez de rature... J'ai envie de dire aussi qu'il y a une force féminin dans vos deux livres. C'est-à-dire, mm-hmm. comme dans Mère d'invention, comme dans le dernier, il y a vraiment une pensée d'un féminin qui serait celui qui vient justement créer de la discontinuité. Mm-hmm. Le X, c'est ce qui... la métaphore biologique est tellement importante dans le dernier, mais même dans l'autre. Dans le premier aussi, oui. C'est le X, c'est vraiment le féminin comme ce qui vient empêcher les choses, pas seulement de tourner en rond, mais de se transmettre de façon naturelle. C'est-à-dire mm-hmm. naturelle, entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais je trouve que ce X est très important dans votre écriture. Mm-hmm. Oui, puis... Il y a quelque chose de... Parce que finalement, Cédie, c'est le nom que sa mère lui donne. Donc, à la fois, elle est nommée par la mère. Puis, comme tu dis, cette espèce de filiation paternelle est très problématique parce qu'à la fois, elle porte le même nom que son père parce que c'est le Dr. Mmh. X. Mmh. Mais en même temps, c'est ce nom biffé, c'est ce nom sans nom, finalement. Je ne me souviens plus, juste dans le processus d'écriture lui-même,
Est-ce que le père a déjà eu un autre nom et puis il y a un moment où ça t'est apparu que tu as biffé le nom puis que ça allait être X ou dès le départ il s'est appelé le docteur X? Oui, non. Je pense que peut-être qu'il y avait le père au départ. Peut-être que c'était juste le père. Mais non, je pense que c'était quand même. Au départ, ils étaient très. Parce qu'au départ, il n'y avait pas Régnier ou non plus. C'était le directeur. Oui, je me souviens. Qui était après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de Jelinek que j'avais. J'avais eu besoin de dans le Elfriede Jelinek qui a un texte vraiment très fort qui s'appelle Lust, puis c'est pas des personnages, c'est comme des abstractions, tu sais, puis il y a une des figures qui s'appelle le directeur, c'est ça, non? Puis j'avais eu besoin, j'avais relu Lust certaines parties, puis j'avais eu besoin de cette ironie là pour essayer de comprendre comment aborder le ton dans le texte. Au départ, j'avais écrit le texte au je. Puis il y avait quelque chose qui ça me permettait pas d'aller. Il y avait quelque chose qui marchait pas dans le positionnement du texte. Puis à un moment donné, j'étais bloquée. Puis je suis allée lire Jelinek. Puis parce que j'avais besoin de cette ironie là, puis de cette distance par rapport au personnage. Puis là, c'est là où je me suis dit, il faut que ça soit à la troisième personne pour que Cédie ait pas nécessairement raison, pour qu'on puisse voir un peu là où elle peut avoir tort ou là où elle peut. Je ne sais même pas pourquoi je parlais de ça, mais... c'est passionnant, c'est parce que moi, j'avais envie d'ouvrir une porte sur la chambre de fabrication pour que les gens voient le chemin qui a été fait. Donc, au début, il y avait encore moins de noms. Il y avait pas Régnier, il n'y avait pas... c'est Olga, c'est mon éditrice, Olga Duhamel, qui m'a dit peut-être qu'il faudrait donner un peu plus de chair à ces personnages-là, en fait. Au départ, c'était beaucoup plus abstrait. Tout en poursuivant sur Céliac, je reviens à ce que je voulais initier tantôt, qui était inviter tout le monde à réfléchir avec nous à la question du virus, parce que c'est quelque chose que tu as découvert, toi, et qui t'a passionné personnellement, puis qui est devenu une des questions que se pose Sadie et qui évolue à l'intérieur du livre, qui est le statut ou le qu'est-ce qu'un virus, au fond. Comment on peut décrire ça, comment on peut définir ça. Puis c'est très intéressant parce que le personnage, la chercheuse Sadie et son directeur Régnier ne sont capables de définir le virus qu'en retranchant, en disant il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Puis cette espèce de série de choses qu'il n'est pas deviennent une espèce de mantra qui leur permet de garder un lien avec le virus, mais qui est vraiment qu'un lien au fond, parce qu'on n'arrive jamais à aucune étape de définition. Et puis ce virus-là, au fond, s'oppose à ce qu'on est habitué de comprendre comme étant la vie. La vie qui se passe de génération en génération à travers du matériel génétique qui évolue. Et puis on doit toujours avoir hérité d'une chose pour ensuite la transformer vers une autre chose ou se débarrasser d'une partie de ce qu'on a hérité. Et le virus, lui, ce qui est terriblement compliqué à penser, c'est que peut-être qu'il crée de lui-même, à certains moments, des caractéristiques dont il n'a pas hérité. Puis cette simple possibilité-là est tellement impossible à comprendre pour Sadie que ça va finir par la contaminer. Et puis, tu dis dans Mère d'invention, quelque chose qui pourrait aussi nous aider à penser le virus. Tu dis, quelque chose se passe sans qu'il y ait génération, sans qu'il y ait transmission. Comment écrire dans tout ça? Je ne connais pas les lois, les nouveaux codes. Je les contiens, mais je ne les pénètre pas. On a l'impression que c'est une chose que Sadie pourrait se dire quand elle est en train d'analyser ces virus. Et je me disais, s'il y avait quelque chose de commun dans tes deux livres, c'est justement que tu étais tombé à chaque fois sur une incarnation, une vraie incarnation de ce problème-là. T'sais. Par hasard aussi. Oui, c'est ça, par hasard. C'est-à-dire la gémellité et le virus. Et le virus. C'est, oui. Et est-ce que ça t'est apparu à un moment du processus de travail sur Sadie qu'il y avait une reprise de la question de Mère d'invention, spécifiquement là? Mais j'avais pas vu le rapport entre le virus puis la gémellité, mais c'est vrai que c'est-à-dire que ce que j'essaie de penser d'un livre à l'autre, c'est cette contamination, c'est-à-dire l'influence ou comment est-ce qu'on peut se réinventer de façon, comment est-ce qu'on peut évoluer ou... pas se reproduire nécessairement, mais c'est-à-dire, oui, se reproduire soi-même, c'est-à-dire que peut-être justement couper un chromosome du code, là, c'est-à-dire que ça se fasse horizontalement.
comment est-ce qu'on n'est pas juste un produit du passé, dans le fond? T'sais, comment est-ce qu'on n'est pas juste le produit de sa descendance? Comment est-ce que... Pour moi, c'est ça, la littérature. T'sais, pour moi, c'est ça, mon rapport à vous deux aussi. Comment... mon rapport à Catherine, c'est comme ça, je parle de voix à la troisième personne, c'est correct. J'en avais l'habitude. C'est mon âge qui permet ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir des bifurcations dans la route tracée, tu sais, de notre avenir? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, dans Mère Dimension, j'en parle comme justement les Catherine, comme d'autres... voie possible, c'est-à-dire c'est comme si d'autres mutations, je pense que j'en parlais comme ça, une Catherine pour chaque mutation. T'sais. Alors comment est-ce qu'on peut rencontrer des gens ou des livres, parce que pour moi c'est la question de la littérature aussi, c'est à ça que ça sert la littérature, c'est de faire des rencontres qui vont venir vraiment modifier notre ADN, c'est-à-dire vraiment qui on est, de faire des rencontres qui vont nous permettre, c'est-à-dire de nous envisager différemment aussi, puis de ce qui vont nous permettre, quand je parle de Catherine, c'est qui vont permettre de donner croyance, puis de donner créance, puis de rêver d'autres soi, d'autres moi possibles aussi. Tu sais, donc le virus, ça devient un peu cette idée-là d'une évolution, justement, en se reproduisant dans le monde, le virus finit par, en fait, il est infidèle à sa lignée. Donc, tu sais, c'est cette question-là de la littérature. Qu'est-ce qui, pour moi, c'est la seule chose qui existe qui puisse nous permettre de trahir, à la fois en écrivant et en lisant, qui puisse nous permettre de trahir le milieu d'où on vient, trahir la communauté d'où on vient, que ça soit la famille, que ça soit la nationalité, que ça soit toute forme de communauté. On a besoin de communauté, bien sûr, on a besoin de connexion dans notre vie quotidienne, mais peut-être que c'est seulement par la littérature ou par l'art, là, mais qu'on peut hériter de visions différentes qui vont nous permettre de... Ah oui, d'accord, il y a vraiment de visions du monde différentes. Ah, mais complètement, ça me donne envie de faire rebondir la question vers Catherine. Parce qu'il y a un moment dans L'absente de tout bouquet où Catherine narratrice de ce livre, se demande qu'est-ce que la littérature, justement, aurait pu permettre à Denise Marchand, qu'elle a par exemple permis à Catherine Mavrikakis, justement, de ce point de vue-là, de la désaffiliation ou de se réinventer. Tu écris « La littérature aurait pu être salvatrice pour Denise Marchand. » Si elle avait lu Maupassant et Flaubert et appris qu'on pouvait quitter son mari. Alors, on fait exactement ce que tu viens de dire. Oui. J'aime beaucoup l'idée de la trahison. Moi, je trouve que trahir, c'est tellement important. Pour une personne si fidèle comme moi, c'est tellement important d'apprendre à trahir ses origines, d'apprendre à trahir certaines paroles, être capable de dire une chose et son contraire aussi, c'est important parfois. C'est-à-dire ne pas être fidèle même à ce qu'on a été ou à ce qu'on dit, être capable de changer. Pour moi, la trahison, je le pense vraiment dans l'idée, pardon, de Jean Genet, c'est-à-dire je pense vraiment que trahir, c'est quelque chose que la littérature permet, que l'art permet en général, mais particulièrement la littérature. Oui, je ne sais pas si ma mère aurait... je ne sais pas si la mère de Catherine, Denise Marchand, aurait pu s'en sortir par la littérature. C'est la fille de Denise Marchand qui s'en est sortie par la littérature qui raconte ça. Je ne sais pas si ma mère aurait pu le faire, parce qu'elle a eu accès aux livres, elle n'a pas été touchée par les livres de la même façon que moi, je l'ai été. Mais moi, c'est vrai que dans mon petit monde, c'est la littérature qui m'a permis de trahir. C'est la littérature qui m'a permis de rêver d'ailleurs. Je vivais dans un lieu un peu nul, avec des gens nuls, pas nécessairement mes parents, mais quand même. Et j'avais l'impression que la littérature était le seul endroit. Alors, elle servait à rien, c'est-à-dire que quand Olga, j'imagine, a décidé que la littérature servait à rien pour nous, je me suis dit, elle a raison, parce que ce qu'elle veut dire, c'est que pour nous, elle n'est pas utilitaire, on n'a pas envie de la défendre pour dire qu'elle pourrait servir à ceci, 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 cela. Mais ce « à rien » peut aussitôt se changer
en son contraire, c'est-à-dire c'est ce qui nous a, ce qui peut nous sauver, mais nous sauver d'une façon un peu, comment dire, un peu, je veux dire, miraculeuse. C'est-à-dire, c'est un miracle, c'est dans le sens, encore Jean Genet, mais c'est vraiment un miracle, c'est-à-dire, on ne sait pas comment la littérature peut nous aider, on ne sait pas comment un film peut nous éblouir avant d'y aller, on ne sait pas comment un texte peut nous toucher, on ne sait pas comment une rencontre peut nous changer. C'est là que je trouve qu'il y a un aspect miraculeux au littéraire. Alors, je n'ai pas envie de dire la littérature, ça sert à rencontrer des miracles ou à faire advenir des miracles, parce que déjà, c'est empêcher le miracle. C'est quelque chose qui arrive par hasard. Mais je crois que dans les textes, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de ce miraculeux. Et il faut savoir se trahir. Parce que si on ne sait pas se trahir, on reste dans l'idée qu'un texte doit nous ressembler, qu'il doit avoir les mêmes sentiments que nous, qu'il doit nous ressembler à notre communauté. Mais ça, c'est horrible pour moi. Pour moi, un texte doit absolument ne pas me ressembler pour me faire rêver d'autre chose. Voilà. Puis c'est dans ce sens-là où il peut peut-être, où on peut rejoindre ce rien supposé, c'est-à-dire que ça, il faut qu'à un moment donné, les textes puissent être irréchappables, tu sais, qu'on puisse les trahir, qu'ils puissent ne pas être sauvés au nom d'une idée, ou au nom d'une idéologie, ou au nom d'une appartenance quelconque, tu sais, qu'on pourrait peut-être que c'est le texte. Peut-être que c'est le test. Vraiment aimer un texte, ça serait de l'aimer même quand il n'y a rien qui peut le sauver. Je pense à Guibert, par exemple. Est-ce qu'on peut encore aimer des textes sur la pédophilie, par exemple? Mais ce n'est pas des textes sur la pédophilie, parce que ce n'est pas des essais ou c'est pas des... Mais est-ce qu'on peut aimer Guibert? T'sais, au moment où on dit « j'aime encore lire Guibert », ben parce qu'on a un rapport à la littérature... où on ne prétend pas qu'elle peut être sauvée, on prétend qu'elle peut avoir tort, on prétend qu'elle peut... on peut la trahir aussi, elle est irréchappable aussi. Vous avez raison, je pense qu'il faut aimer la littérature, d'autant plus qu'elle a tort. C'est-à-dire qu'il faut l'aimer en se disant, même si elle a tort, elle m'a fait entrer dans ce monde où je peux avoir tort aussi, parce que je ne suis pas celle... où je ne fais pas partie de ceux et celles qui ont raison d'avance. Et donc, je n'ai pas à penser Guibert. Je suis avec Guibert dans le tort quand je lis un livre, quand je lis ses textes. Donc, ça, pour moi, c'est très important, cette rupture avec soi-même que permet le littéraire. Voilà. J'ai une... X, hein? Oui, ben voilà. Ben voilà, tu sais, il y a une citation... Il y a une citation au-dessus de mon bureau, c'est de Chris Krauss. Est-ce que, c'est en anglais, mais est-ce que c'est pas la plus grande liberté au monde que celle de pouvoir avoir tort? Quand est-ce qu'on peut avoir tort ailleurs que dans la... on a tort tout le temps, bien sûr, là, on fait... mais on se met les pieds dans la bouche toute la journée. Mais je veux dire, de vraiment se permettre d'être en train d'écrire quelque chose puis de se dire, mais je ne peux pas sauver ce personnage-là ou je ne vais pas... Je vais mettre en scène un livre qui peut avoir tort. Oui. C'est aussi même cette espèce de liberté-là qu'on se donne, peut-être, ce qui peut faire la différence entre qu'est-ce qui sera un écrit littéraire et qu'est-ce qui sera un écrit qui ne serait pas littéraire aussi, même si cette distinction-là n'est jamais définitive puis qu'on ne peut pas classer les textes définitivement. Il y a quand même quelque chose de cet esprit-là qui pourrait différencier un rapport superficiel avec la consignation des événements ou avec un texte utilitaire puisqu'il serait une entreprise littéraire. Je pense au moment dans L'absente de tout bouquet où Catherine, tu te retrouves dépositaire du journal de ta mère et aussi de toute une série de lettres dans lesquelles tu découvres que ta mère consignait tout, mais rien en même temps. Mm-hmm. Puis qu'il y avait un livre, et Denise Marchand écrivait, ta mère écrivait, et qu'il y a des morts qui sont notées, il y a des événements, il y a une quantité de choses anodines incroyables, mais ça ne compose pas tout à fait un livre qu'on pourrait mettre en marché. Tandis que dans L'absente de tout bouquet, il y a quelque chose peut-être dans l'entreprise littéraire qui est d'aller voir dans tout cet anodin-là, qu'est-ce qui fait un livre, qu'est-ce qui fait livre, t'sais? Qu'est-ce qui est la différence entre le journal
de Denise Marchand, puis l'absente de tout bouquet, sans vouloir enlever toute valeur à ce journal-là du tout, comme artefact personnel ou comme témoignage de ce qui a pu se passer, comme rapport à une personne qui est disparue. On n'est pas dans la littérature, non? Non, tout à fait. Puis, ce qui est fascinant dans l'entreprise de journal qu'avait ma mère, c'était le silence. C'est-à-dire, ma mère mettait juste ce qui se passait, mais il y avait que du silence, en fait. Elle ne racontait pas vraiment ce qui se passait. Et j'ai l'impression que l'absence de tout bouquet, c'est avoir fait advenir quelque chose comme... peut-être pas de la parole, mais en tout cas faire advenir des mots sur ce silence, ou dire ce silence était parlant. Mais c'est vrai que moi, quand je vois... parce que j'en ai des tonnes hein, de journaux de ma mère, c'est toute sa vie, c'est toute la vie de ma mère dans ces journaux-là. Hein. Vous imaginez, c'est terrible. Et je me dis, à la fois, c'est comme si ma mère avait fait une œuvre, une anti-œuvre. J'ai eu l'impression, en voyant ça, qu'elle avait décidé qu'il n'y aurait pas d'œuvre. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, il n'y en aura pas, mais je vais vous la faire. Je vais vous la faire jusqu'au bout. C'est quand même... Je me suis dit, ma mère, c'est un personnage dada. Donc, je me suis dit vraiment... c'est-à-dire, je vais faire entièrement ma vie dans ce qu'elle a de plus ennuyeux. Et j'ai trouvé ça en même temps... J'ai beaucoup de mal à ne pas avoir d'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de mal à penser qu'il n'y a pas eu d'œuvre. En fin de compte, il y en a une, mais il faudrait le faire comme des dadales le feraient. Il faudrait lire ça pendant des jours et des jours et des jours. Ouais. Voilà. Oui, après l'édition du FTA où quelqu'un a lu tout Artaud, il y aura une édition du FTA où quelqu'un va lire tout Denise Marchand. Exactement. 24 heures sur 24 pendant une semaine. On pourra penser à ce projet-là avec ton frère. Je suis sûr qu'il serait facile à convaincre aussi. Pendant qu'on est dans le sujet de ce que peut la littérature en général, je nous renvoie sur une autre piste. Parce que là, justement, il y a une façon, dans l'absence de tout bouquet, justement, de faire parler, comme tu disais, de peut-être faire parler autrement cette personne, cette morte qui n'est plus là. Et tu disais dans l'éternité en accéléré, en fait, tu rappelais dans l'éternité en accéléré que selon Deleuze, la littérature peut parler pour ce qui n'a pas de façon évidente la parole. Et pour ceux et pour celles qui ne peuvent pas parler, les fous, les idiots, les enfants, les morts, les animaux, les pierres, j'ai envie d'ajouter les virus pour inclure Clara dans la conversation. Je continue la citation de Deleuze. « Dans se parler au nom de l'autre, la littérature se fait ventriloque du bégaiement. Elle n'a donc rien à voir avec le moi ou avec ses faiblesses. La littérature, est-il utile de le préciser, ne défend pas la cause des fous, des enfants, des morts, des animaux, des idiots, des virus. Elle n'est pas la charte des droits. » Elle garde en elle un sentiment de honte, un sentiment de malaise, de tromperie face à ceux et à celles à qui elle donne la parole en bredouillant. Alors, je pourrais nous relancer sur cette question-là de la honte. Je t'ai coupé dans ton élan, Clara. Est-ce que tu voulais rebondir sur... Non, mais c'est parce que c'est quand tu cites Catherine qui dit « ce n'est pas la charte ». Tu sais, pourquoi est-ce que ce n'est pas la charte? C'est le rapport à la raison aussi. C'est une autre façon de dire ce qu'on disait déjà sur avoir tort, mais c'est aussi la question du déraisonnable. Mm-hmm. Tu sais, c'est la question du premier degré, dans le fond. Tu sais, c'est dans le langage du droit, il faut que X égale tel concept. C'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment une équivalence. Il faut que la réalité, que tel mot équivalent à telle réalité. Le droit en dépend, la vie des gens en dépend. Alors que dans la littérature, est-ce que justement on peut être de mauvaise foi? T'sais? Est-ce qu'on peut considérer que X mot ne veut pas dire X réalité, que ce mot-là peut mentir aussi, puis l'amener à mentir? Puis il faut avoir un peu de mauvaise foi. Puis en même temps, c'est toujours une honte parce qu'on va toujours... aller un peu contre le sens humain, tu sais, contre le droit, c'est gros de le dire, là, on n'est pas si... mais un peu contre, même, c'est un autre espace que celui du droit. Complètement. J'ai envie de quand même nous ramener un peu vers Sadie pour te lancer encore plus de fleurs, parce que je trouve que c'est une entreprise littéraire formidable d'avoir décidé de faire parler quelque chose, justement, qui n'était même pas dans la liste de Deleuze, que Deleuze n'avait même pas imaginé.
qui était le virus. Et pour ceux qui ont lu le livre ou qui l'ont en tête, c'est assez fascinant toutes ces plages de temps que passe Sadie, d'abord à travers une machine, puis ensuite vraiment toute seule avec le papier, à essayer de traduire un langage à travers sa lecture qui ne parle pas, qui peut-être ne parle pas au fond. Il faut faire parler quelque chose qui ne parle pas. et c'est dans la répétition qu'elle essaie de le faire. Peut-être que je pourrais nous amener aussi vers ça, vers cette idée-là que peut-être même dans le charabia, dans le sériel, dans l'accumulation, peut-être que dans la répétition même de quelque chose qu'on ne comprend pas, on va faire advenir un sens à force d'essayer de faire parler ce virus-là. Moi, j'étais vraiment impressionné de la façon dont tu avais réussi à rendre ça romanesque, à inscrire cette volonté-là de faire parler ou d'entrer en dialogue avec le virus à travers un personnage qui ne soit pas en train de nous le présenter d'un point de vue scientifique. Hein. Je ne veux pas que personne ait peur de se plonger dans ce livre-là en se disant « Je ne peux pas lire Sadie X si je n'ai pas fait un cours de microbiologie ou si je ne sais pas d'avance. » Le livre va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir accompagner Sadie dans son projet. Non, mais c'est important. Je veux le dire et le redire parce que sinon, ça fait peur, les gens. Des fois, quand on dit le mot « science », on se dit « Oh, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas lire ça. » Sadie non plus n'est pas capable de lire ça. Elle va vous prendre par la main puis elle va vous accompagner dans son entreprise d'essayer de traduire le virus. Oui, puis peut-être que, tu sais, c'est-à-dire que c'est quoi ces autres formes? C'est la question du non-humain, tu sais, c'est-à-dire pour nous renvoyer aussi à la relativité, là, à la relative importance de notre langage aussi, tu sais, puis à l'insuffisance de notre langage. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est quand le langage est devant une réalité qu'il ne peut pas saisir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas enserrer, comme qu'il ne peut pas faire entrer dans une catégorie, parce que même quand on est littéraire, même quand on est dans de la littérature, on essaie toujours de, c'est-à-dire, pas nécessairement tout le monde, mais souvent, on n'est pas capable d'être dans ça, mais on essaie de se défaire aussi de des mots comme contenant, c'est-à-dire de mots qui seraient juste des contenants pour faire rentrer une réalité. La boîte de Pandore. De fixer des réalités comme ça, oui, c'est ça. Alors que, est-ce qu'on peut essayer de justement de plus être sûr de l'exactitude de tel mot ou de faire un peu bouger la langue pour se dire « Ouh, peut-être que finalement, on n'est pas dans ce qu'on pensait qu'on était » ou qu'est-ce que… Puis c'est ce que c'est dit aussi, c'est le chemin qu'elle fait, c'est de se rendre compte que toute l'efficacité dans laquelle elle avait structuré sa vie pour que ça dise, pour arriver à dire cette réalité-là qu'il n'y a pas justement voix au chapitre, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage par lui-même. Mais à un moment donné, est-ce que c'est si important aussi? Est-ce que ça sert à... Est-ce qu'il faut que ça dise? C'est quoi cette espèce de primauté qu'on se donne, cette espèce de croyance qu'on a dans le langage humain pour se dire il faut absolument tout traduire dans le langage? Ou est-ce qu'on peut se décentrer aussi un peu? Puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit sur la nature, ou je ne suis pas quelqu'un qui écrit sur... T'sais, j'écris beaucoup dans les réalités humaines. Là. Je veux dire, je suis la première à ne pas être décentrée, mais est-ce que... je suis bien centrée tout le temps, mais quand même, est-ce qu'on peut sentir que notre langage ne sert pas à grand-chose, en fait? Que justement, c'est beaucoup plus dans... Autrement dit, c'est beaucoup... Ça a l'air bien abstrait comme ça, mais c'est beaucoup plus dans le bavardage, dans le gazouillage, dans les simagrées qu'à force d'essayer de dire... C'est peut-être juste ces magrées-là qui arrivent à créer un rythme, qui arrivent à créer une peau, justement. T'sais, pour moi, c'est quelqu'un qui se débat dans le langage. Moi, de lire un livre, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir comment quelqu'un se débat avec le langage pour que finalement, peut-être que ça va l'engloutir. Mais enfin, j'ai l'impression de reconnaître le sentiment d'une impuissance... Mm-hmm. C'est une autre des grandes qualités de ton écriture, de se soumettre successivement à plusieurs influences très fortes, justement, pour essayer de les faire sentir dans la phrase. Hein, peut-être que les lecteurs, lectrices se souviennent dans Mère d'invention du personnage narratrice qui essaie de se laisser contaminer par la voix de Christine Angot, jusque dans son rapport à la virgule. Et puis, il y a un moment de le livre où il est comme habité par cette voix-là. D'autres moments dans le livre où c'est l'effet du cannabis qui fait écrire. Il y a des situations comme ça dans Sadie X aussi, où ça fait déraper la phrase, ça fait penser différemment à Sadie, puis on sent le roman se laisser habiter par cette influence momentanée-là. Puis,
Bon, alors d'autres auteurs, d'autres autrices comme Christine Angot, d'autres styles qui viennent contaminer de l'intérieur. Et puis, une autre chose que tu laisses souvent entrer dans ta phrase, puis que tu laisses souvent prendre possession là, de ton style, c'est la musique et les chansons. C'est drôle parce que je ne l'avais même pas remarqué en éditant ton premier livre, et je ne l'avais pas non plus remarqué à la première lecture de CDX. Mais c'est en relisant que je me suis dit, il y a quelque chose de la drogue aussi dans la musique. Dans les deux livres, il y a des scènes, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, où la narratrice, où Sadie, personnage, est possédée par la musique, mm-hmm. et ça devient ce qui va porter le chapitre, et mm-hmm. ce qui va l'habiter, ça va devenir sa scansion, son rythme. Mais tu sais, c'est de pas... Excuse-moi, je te coupe la parole, mais... Vas-y, c'est de on pas est être, là pour t'entendre. C'est de pas être... Pour une fois, j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Non, mais c'est de pas être un moi tout seul. Tu sais, c'est autant en amont qu'en aval. Tu sais, l'écriture, pour moi, c'est... Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Pour nous aussi, c'est comme... Comment est-ce qu'on peut être moins seul? On a tellement... Tu sais, c'est... À la fois, on a besoin... Tu sais, c'est comme si on est dans une telle solitude qu'on a besoin de gens qui vont vivre dans ce... Parce que dans l'acte d'écriture, on est déjà en train de tirer des gens pour qu'ils soient là avec nous. Tu sais, les témoins dont je parlais, c'est comme si on tire vers l'avenir. On va chercher dans l'avenir cette communauté de gens qui vont nous lire un jour. Tu sais, peut-être qu'ils ne seront pas dans le présent, mais on se dit, ils vont être là dans 100 ans ou 50 ans, puis ils sont déjà un peu là avec moi pour être témoin de moi qui me débat justement dans ce fatras-là. Mais c'est aussi d'être moins seul parce que c'est d'être habité avec toute cette espèce de communauté de morts, puis de morts même quand ils sont vivants, parce que souvent, c'est des gens qu'on ne connaît pas puis que c'est mieux de ne pas connaître. Mais c'est rare qu'on a la chance... Non, mais c'est rare qu'on a la chance d'avoir des influences comme nous, où on peut se parler puis on peut se contaminer dans la vie, dans la chair. Mais tu sais, aussi d'être traversé de ça, c'est de pas... Il y a comme un espèce de défaut constitutif d'existence là où on n'arrive pas à être un sujet, tout seul. Donc, il faut être un sujet à plusieurs. Est-ce que Catherine, tu veux nous parler un peu des textes qui ont accompagné l'écriture d'Absente de tout bouquet, qui lui ont redonné son... C'est un livre qui fonctionne pour ceux qui ne l'ont pas encore lu par petits chapitres courts, qui reprennent toujours le deuil au fur et à mesure qu'il avance, mais toujours par des nouvelles portes, des nouvelles voies du souvenir ou beaucoup de lectures aussi, puis beaucoup de phrases que les gens te disent et qui relancent une nouvelle étape dans le rapport à la disparition. Est-ce que tu nous as parlé tout à l'heure de Derek Jarman qui a accompagné? Oui, il y a beaucoup Derek Jarman qui a accompagné le livre, la lecture de Derek Jarman de ses journaux avant sa mort du sida. Donc ça a beaucoup parce qu'il est en train de faire un jardin dans un lieu improbable parce qu'il habite en face d'une centrale nucléaire en Angleterre. Et il fait ce jardin contre toute attente parce que d'abord il y a la centrale nucléaire et puis il y a le sida. Donc il n'y a pas beaucoup de vie, mais il fait ce jardin. Et ça, c'est important pour moi, c'est cette idée de rituel un peu absurde qui est la vie en fait, c'est il faut le rituel, il faut continuer, il faut faire ça, on fait pousser les fleurs même si on sait que bon, et même si on sait qu'on va mourir, etc. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a complètement inspirée. Je remercie beaucoup Alex parce que je connaissais Jarman, je connaissais les films, mais j'avais pas lu les journaux. Donc là, ça m'a beaucoup. Puis évidemment, bon, il y a le grand livre de deuil, celui qui l'a pas tout à fait fini, c'est le livre pour un tombeau d'Anatole de Mallarmé, qui Mallarmé perd son fils et il fait un livre. Il peut pas le finir tout à fait parce que pas finir un livre sur la mort de son enfant, j'avais l'impression que c'était des textes qui m'accompagnaient, c'est-à-dire des textes qui ont pensé la mort, qui sont soit dans l'attente de la mort, soit dans un après la mort, mais je me suis entourée un peu de ces textes-là pour... J'écris toujours, c'est pas parce que, oui, je l'ai dit, j'ai pas d'imagination, alors je copie les autres, mais c'est pas juste ça, c'est que je suis aussi une lectrice. J'ai besoin de m'entourer de livres au moment même où je vis des choses. Donc souvent, je m'entoure de livres qui sont en résonance avec ce dont j'ai besoin. Donc la littérature sert à quoi ? À rien, oui, mais à rien. Mais parfois juste à s'entendre soi-même, mais pas parce que je me reconnais,
parce que justement, je suis surprise par ce que les autres ont pu dire sur la mort, et c'est pas exactement comme moi, et ça m'aide à comprendre d'autres choses. Vous voyez, donc ça sert à rien, mais ça sert un peu à nous consoler parfois. Oui, tu écris toujours dans l'absence de tout bouquet. Je n'avais pas compris à l'époque de mon premier livre, Deuil cannibale et mélancolique, à l'époque où les amis tombaient comme des mouches. C'est un livre sur les années du sida qui a été réédité chez Héliotrope. Vous pouvez vous lancer en librairie pour le lire si ce n'est pas encore fait. À l'époque où les amis tombaient comme des mouches et que l'on effaçait au plus vite les traces de leur existence, je n'avais pas compris que ce seraient eux, donc les amis disparus, qui, en rêve, viendraient un jour me parler de sa mort à elle. Mm-hmm. Je n'avais pas compris qu'en moi, ils se faufileraient pour m'aider à imaginer son effacement. Donc, je crois que ça rentrait bien en écho avec ce que tu venais de dire sur le fait que c'est toujours différent, c'est jamais la même mort ou le même événement, mais on s'y est préparé d'une certaine façon. Oui, j'ai menti dans le livre, en fait, je le savais. Dans le fait, je savais que ça serait eux qui viendraient. Mais, c'était la Catherine rhétorique. C'est pour la beauté du texte. Mais j'ai l'impression que j'ai vraiment un sens théâtral du monde. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la vie, c'est des répétitions pour des scènes qui sont excessivement fortes à un moment donné. Donc, j'ai perdu des amis, je me suis pas seulement dit ah, c'est la préparation à la mort de ma mère, mais j'ai toujours l'impression que on est toujours dans une espèce de répétition avant quelque chose. Il y a que des répétitions qui se répètent les unes les autres, mais répétitions dans le sens à la fois banal, ça copie l'événement, mais aussi on est toujours en train d'imaginer une douleur encore plus grande ou un deuil encore plus grand, ou bon, qui sera aussi notre propre mort. Je dis pas parce que c'est pas parce que ça, on souffrira plus quand on va mourir soi-même, mais bon, c'est ce qu'on peut imaginer de plus impossible, en fait. Parce que est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer mort? Je pense pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on doit être témoin de la mort des autres et pas vraiment de la sienne, hein. Non, en effet, ça fait penser au superbe titre du recueil de Derrida de tous les textes qu'il a écrit sur les gens qui sont disparus. Ça se multipliait évidemment vers la fin de sa vie. Le livre s'appelle « Chaque fois unique, la fin du monde ». Puis cette phrase-là, « Chaque fois unique, la fin du monde », rentre bellement en écho avec ce que tu viens d'exprimer. Même si, justement, on peut être dans la répétition, puis que, justement, quand on accumule les textes de deuil, les tombeaux pour les gens autour de nous, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, mais il faut trouver à chaque fois qu'est-ce qui est unique dans ce livre-là. Suivant le fil de cette idée, ça me donne envie de te demander, je ne sais pas si tu as pris la peine d'y penser ou si Olga, ton éditrice, t'en avait parlé aussi, mais sur les différences qu'il y a eu dans ce livre de deuil-là et La caverne d'Ali Baba, La balade d'Ali Baba, pardon. La balade d'Ali Baba, que vous pouvez aussi acheter chez Héliotrope en poche. Est-ce qui a été réédité en format poche. Non, je ne connais pas le prix. C'est pour rendre ça tout ça un peu plus amusant, toutes ces histoires de mort. Achetons, sortons des dollars. Un peu d'argent, Pyrion. Oui, voilà, un peu d'argent. Les codes QR, là, vous avez juste à scanner vos codes QR sur la vidéo, ça va. Alors, peu importe le prix de ce livre, est-ce que pour toi, tu t'es posé la question sur la différence de livres que ça pouvait donner, parce que ce sont deux livres très difficiles à comparer, mais en même temps. Oui, oui, complètement. Je pense que La balade d'Ali Baba, j'ai écrit le livre que mon père aurait voulu que j'écrive. C'est-à-dire, si mon père avait, il aurait aimé lire ça. Il aurait aimé lire ça. Alors, j'ai été, d'une certaine façon, j'ai réalisé son rêve. Voilà. Ma mère, mon rapport était plus compliqué. J'ai pas écrit le livre qu'elle aurait aimé lire. Désolée. T'as pas écrit Paris Match. Désolée, hein? T'as pas écrit Paris Match. Il aurait fallu que tu lui fasses un numéro de Paris Match. Mon rapport était plus complexe, c'est ça. J'avais un peu, juste pour la petite histoire, j'avais un peu honte de ce titre, La balade d'Ali Baba. Hein, je n'aimais pas ça du tout. C'est moi qui l'ai choisi. Mais je me suis dit, ah, mon père aimerait tellement ça. Et donc, je vais lui faire un titre un peu kitsch, il aimerait ça. Ça serait sa mort à lui. Ma mère, c'est pas pareil, parce que ma mère, c'était ma mère, mais c'est aussi ma mère, c'était toute la France. Alors, l'absence de tout bouquet,
tout T-O-U-S, hein, faut être vraiment prétentieux pour mettre un S à T-O-U-S, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, il y a même un prof m'a dit, c'est fautif. J'ai dit, mal armé, fautif, oui. Tu rigoles. Mais c'est drôle parce que je me suis posé la même question. En retranscrivant le... Non, mais pas parce que je le savais, mais en retranscrivant le titre, je me suis dit, si j'étais en train de réviser, j'identifierais une... Là, je suis allée chercher, puis là, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était le titre original. C'est voilà, le titre c'est original, voilà, de Mallarmé. Ben, c'est la phrase originale de Mallarmé. Mais, avec ma mère, c'était un livre très différent. Et je pense qu'on peut pas, vivre... on vit pas les choses de la même façon, puis ça donne... La trahison est différente suivant les personnes qu'on trahit. Voilà. Donc, il faut être fidèle dans sa trahison. C'est-à-dire qu'il faut trahir d'une façon qui soit reconnaissable, voilà, pour eux. Alors, je ne sais pas trop quelle heure il est. Est-ce que je repose une autre question avant d'ouvrir au public? Je ne vois pas vraiment dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser une question? Qui dorment? Ça nous ferait vraiment plaisir, hein, si vous avez quoi que ce soit à demander, du plus précis au plus vague, du plus banal. On a parlé du prix des livres, donc on peut aller voilà. partout. C'est-à-dire, moi j'ai encore d'autres trop longues questions avec lesquelles je pourrais les assommer, puis vous garder encore 10 minutes, mais si vous avez des questions, ça nous ferait vraiment plaisir. On a même quelqu'un dans la salle qui irait les écouter près de vous pour pas que vous ayez besoin de vous lever et de remettre votre masque. Non? Oui, il y a une question là-bas. Est-ce que Morgane, tu peux... Oui, parfait, merci. Alors, on a tout un protocole COVID. Alors voilà, c'est comme le moment jeu télévisé où il se passe quelque chose dans la foule. Il n'y a pas de caméra avec un projecteur de poursuite, mais... Alors, c'est le téléphone arabe. La question va être soufflée dans une oreille. Si tout se passe bien, elle va se rendre jusqu'à moi. Donc, la question s'adresse à Clara. Madame, ici, vous voulez savoir si la pandémie avait changé votre vision de votre dernier roman. En fait, je l'ai écrit aussi pendant la pandémie. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire. Ça faisait plusieurs années que je m'intéressais à ce qu'était l'idée d'une intelligence du non-vivant. Dans ma thèse de doctorat, j'écrivais sur le mollusque. Puis après ça, j'avais commencé, il y a comme une espèce de version un peu bêta là, de CDX qui était plus sur la pieuvre. Fait que, c'était des modes d'intelligence du non-humain. Puis aussi, comme depuis la naissance de mes filles, je vivais beaucoup dans les virus, je m'étais déjà formulé l'idée que c'était vraiment le dessus de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'une chose microscopique pouvait... nous terrasser, puis je veux dire nous terrasser quand on a un rhume, mais nous terrasser aussi quand on pense au sida, là, je veux dire, mais que cet invisible-là qui est partout, partout parmi nous, et qui en nous, est en fait le plus puissant. Donc c'était un peu la question de celle sur laquelle je commence le texte, de l'humiliation de l'homme, c'est-à-dire que c'est quand... et c'est au moment où, avant que ça devienne une pandémie, c'était pas encore en Amérique, puis c'était, je pense que ça commençait peut-être en Italie un peu, là, où c'était le moment où la bourse a commencé à ressentir les effets, a commencé à chambranler un peu, puis je me suis dit, waouh, c'est vraiment, c'est la seule chose qui peut ébranler ce super pouvoir humain international, c'est un virus. Puis c'est là où là, je me suis mise à chercher, donc ce n'était pas encore la pandémie ici, mais je me suis mise à chercher bêtement sur Wikipédia, tu sais, virus. Puis d'un saut de puce à l'autre, tu sais, finalement, j'ai vu ces virus géants, ces pandoravirus qui pour moi étaient comme déjà littéraires, c'est-à-dire que de nommer, parce que c'était ça la question aussi, c'est-à-dire que c'était la question pandoravirus, de nommer un virus, c'est-à-dire que c'est quoi mettre un nom, cerner cette espèce de réalité un peu insaisissable, parce que c'est pandoravirus, le nom venait de cette idée que ça ouvrait une boîte de Pandore, parce que ça allait défaire tout ce qu'on avait comme catégorie pour cerner les virus jusqu'à maintenant. Donc, c'était... Puis pour moi, ce qui me fascinait, c'est comment est-ce que... Qu'est-ce que c'est dans une vie
de théoriciens, de chercheurs, d'entrer en contact avec quelque chose qui défait tout ce qu'on sait, puis d'avoir à reconstruire un savoir. Et dans un sens, ça m'amusait durant la pandémie de voir, ça m'amusait, c'est relatif, mais il y avait des choses tragiques et il y avait des choses quand même intéressantes aussi, parce que c'est des expériences qu'on vivait tous différemment. Mais il y avait cette question des experts, c'est-à-dire que même les experts dont c'était le champ d'expertise, puis on sait comment c'est pointu, là, des champs d'expertise dans les sciences, puis à l'université, c'est même ces experts arrivaient à leur point d'incompétence et étaient face à « je ne sais pas, on ne sait pas ». Donc, c'était, pour moi, c'était qu'est-ce que c'est de faire cette expérience-là d'arriver à un seuil d'insuffisance par rapport à notre propre savoir, tu sais, puis comment est-ce que... donc, tu sais, ça a été... Donc, j'ai écrit, finalement, c'est comme si, je pense que maintenant, je le vois, je vivais dans les virus, c'était un peu comme... C'était une stratégie d'adaptation aussi par rapport à la pandémie parce que, bien sûr, comme tout le monde, j'étais anxieuse aussi, mais moi, je vivais dans ma curiosité. C'est-à-dire que ce que je lisais sur les nouvelles qui entraient et tout ça, bien sûr, moi aussi, je vivais dans les cas, dans les morts, puis dans le système sécuritaire dans lequel on vivait tout à coup. Mais quand j'entendais tout ça me semblait très réducteur puis très simpliste, ce discours qu'on avait sur le virus de cet ennemi radical, puis très politique, en fait, le discours qu'on avait, alors que je me disais, oui, d'accord, que Legault parle, ou que les politiciens partout dans le monde, en fait, c'était fascinant à quel point ça s'est répandu uniformément, ce discours de l'ennemi radical puis de la guerre contre cet ennemi radical, alors que les virus, oui, ils régulent notre monde en tuant, parfois, mais même aussi maintenant, on voit qu'on va peut-être utiliser des virus pour tuer certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans des questions trop... pas Québec Science, là, mais je veux dire, c'est la question de voir autrement. C'est-à-dire que notre ennemi radical, c'est peut-être ce qui va nous sauver de la résistance aux bactéries. Donc, mais c'est aussi la question de la curiosité. C'est-à-dire que la curiosité, c'est un état d'ouverture psychique aussi, donc c'est comparativement à l'angoisse qui est un état de fermeture puis de résistance. Donc c'est le monde dans lequel on vit. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup c'est cette espèce d'adversité de radicalité, d'adversité radicale, d'ennemi radical, alors que c'est toute une partie du monde qui nous entoure, dans lequel on vit, que ça nous permet aussi de penser. Puis de penser justement dans un mode en dehors de nos catégories trop humaines. C'est-à-dire qu'on est toujours pris dans notre vision humaine, dans nos catégories justement. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a quelqu'un qui vient défaire ces catégories-là? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient défaire ces catégories-là. Puis est-ce qu'on peut avoir... On ne peut pas ne pas penser comme des êtres humains, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut avoir juste comme un petit... Moi, je ne pense pas qu'on peut représenter c'est quoi le non-humain. C'est ça la question de Cédie. À un moment donné, ça ne peut pas dire... parce que notre langage est insuffisant et on ne peut pas juste comme ne pas être humain soudainement, ou ça serait la psychose. Mais est-ce qu'on peut juste sentir les tressauts? Est-ce qu'on peut sentir habiter la relation? Oui. C'est quelque chose qui est fort dans tes deux livres. C'est-à-dire, il y a cet inconnu et je décide, là tu parles de curiosité, mais je décide que je suis en relation avec cet inconnu. Et même si je n'arriverai pas à le coloniser ou à me représenter ou à le figurer, j'habite dans cette relation-là. Et c'est très fort dans tes deux livres. Il y a un moment dans le premier livre où entre l'avortement qui ouvre le livre et l'accouchement qui en fait la deuxième partie, tout d'un coup, la narratrice de Mère d'invention se dit « Je suis entre Saul et Paul ». Tu te souviens de ça? Puis je me souviens de toi dans ta vie aussi quand tu as trouvé cette image-là. À quel point elle t'avait habité. Puis t'avais dit, c'est un moment où, c'est un personnage qui est dans un texte biblique, va vivre une transformation et donc un changement de nom. Mais Clara, tout d'un coup, s'était passionnée pour, et elle en parle dans Mère d'invention dans un moment, ce moment où on est entre les deux. Et on est dans ce temps-là, qui est un incompréhensible, qui est un innommable. Il faut vivre ce temps-là, puis être en relation avec cette informe-là jusqu'à ce qu'on arrive à un nouveau nom, tu sais.
Puis je me disais, c'est quelque chose que la littérature pourrait vraiment nous permettre à faire, nous permettre de faire, puis peut-être juste elle, d'une certaine façon. Puis je me disais, en lisant Sadie, dans la suite de votre question puis de ta réponse, c'est vrai que c'est cette richesse-là que nous donne Sadie en ce moment, c'est d'être dans un autre rapport avec cet inconnu-là, tu sais, d'apprendre comme Sadie à habiter dans cette relation-là, à se dire, oh, je, voilà. Oui, puis tu sais, ce que la pandémie nous a de repli sur l'idée d'individualité, tu sais, de protection de soi. Tu sais, on est des espèces d'individus qui devons se protéger, puis on développe de plus en plus l'idée complètement illusoire qu'on est des îles, tu sais, que nous sommes des individus qui sans rapport avec l'extérieur, puis il faut se protéger de cette contamination-là. Alors que justement, moi, c'est ce que me permet la littérature, c'est de oui, les relations qu'on choisit, mais les relations qu'on ne choisit pas, c'est-à-dire qu'on est toujours en relation avec d'autres individualités qui sont elles aussi interpénétrées de c'est un réseau constant de contamination. Puis comment est-ce que justement on peut par la littérature sortir quand on lit? Qu'est-ce que c'est lire? Tu sais, c'est d'habiter dans la tête de quelqu'un, d'habiter dans le délire de quelqu'un pendant. Tu sais, de parler cette espèce de langue étrangère, comme dit Proust, tu sais, on vit à l'intérieur d'un autre sujet pendant quelques pages. Tu sais, on habite une autre peau, on se sort de notre peau. Tu sais, ça fait que ça vient défaire aussi ces espèces de réflexes de protection de soi, de conservation de soi, comme si on était justement immortel. C'est-à-dire qu'on est très poreux, en fait, mais la littérature nous permet peut-être de vivre cette expérience-là de façon plus ou moins traumatique, là, mais d'être un peu dépossédé de cette enveloppe, de cette armure-là, finalement, du bien, moi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres aussi bonnes questions que ça? Merci. Pour nous repartir encore sur un tour de manège après cette formidable question. Question en préparation. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Christine Angot. Christine Angot, dans ses livres, elle trahit beaucoup de son entourage. Ça amène jusqu'à des procès juridiques. Constance Desbrés dans. Pas à cause des micros, je pense. Christine Angot, Constance Desbrés, c'est deux écrivaines qui se connaissent beaucoup dans leur livre. C'est beaucoup d'informations. Vous allez comprendre. C'est surtout pour le Facebook, en fait, pour entendre. Ah, c'est ça, c'est pour l'enregistrement. Vous avez tout à fait raison qu'on l'entendrait bien. C'est qu'il y a un enregistrement sur Facebook Live des gens qui nous écoutent. Je pense que avec le masque, ça va être possible, avec le micro, avec le masque. Oui, parfait. Je vais te laisser le micro à une certaine distance. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est que tout à l'heure, on parlait de. Mon Dieu, OK, ça sonne bien fort. OK, oui, c'est ça. Tout à l'heure, genre, on parlait de trahison, on parlait de Christine Angot. Christine Angot, c'est une écrivaine qui se commet beaucoup dans ses livres jusqu'à avoir des procès. Je pensais aussi à Love Me Tender de Constance Desbrés qui parle de la guerre de son enfant. Je me demandais jusqu'à quel point, pour vous, la trahison peut être possible en littérature jusqu'à mener à des procédures juridiques. Donc, on trahit tellement que le réel comme, nous rattrape, puis ça devient comme des procès ou ça devient des conflits où ça l'impact est très, très grand sur la réalité puis notre entourage. Catherine, est-ce que Denise Marchand va sortir de sa tombe pour te poursuivre d'avoir... C'est une très bonne question. Elle le fait déjà la nuit, mais non. Mais je ne sais pas, Clara, vous avez autant à dire là-dessus que... Non, allez-y. C'est intéressant que vous parliez de Christine Angot qui a été poursuivie. Je pense que Angot a envie, je vais répondre sur Angot. Je pense que Angot a envie de mettre la littérature à la fois du côté du règlement de compte, mais dans une suspension de la loi. Je pense qu'elle a à la fois envie de dire je vais pas dire règlement de compte simplement pour se venger, etc. Mais elle a quand même envie de parler de choses et de dénoncer des choses, mais en même temps, je crois que c'est l'intérêt de Christine Angot, c'est de suspendre la loi, malgré tout. Le livre est un lieu où on peut tout dire, et
c'est ce qu'elle croit. Je ne pense pas la tromper. Vous connaissez sûrement Angot mieux que moi, Clara. Mais je pense qu'elle croit ça. Alors, est-ce que moi, je crois ça? Oui. C'est-à-dire, à la suite d'Angot, j'espère qu'il y ait des lieux où encore on peut tout dire. Je l'espère vraiment. Et ces lieux-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont des incitations à quoi que ce soit. Je crois que c'est des lieux où il faut se dire que c'est pas des lieux nécessairement beaux non plus, hein, c'est pas nécessaire, mais je crois que c'est important parce que s'il n'y a pas ces lieux-là, pour moi, il manque quelque chose dans le social. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir. Vous savez, maintenant, je l'ai raconté aussi, quand je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que j'aurais envie d'être psychologue en ce moment, ou je ne suis pas sûre si je voudrais, parce qu'il y aurait, il y a, non, mais c'est vrai, il y a toute une volonté de, on doit dénoncer certaines personnes qui pourraient passer à l'acte, etc. C'est très difficile de décider de ça quand on est psychologue, peut-être que certains peuvent le faire, mais au moins dans la littérature, comment dire, j'ai pas l'impression que c'est la même chose tout à fait que quand je suis psychologue. C'est-à-dire, j'ai à prendre une décision qui est beaucoup plus légale, en fait. J'ai pas envie d'être responsable de la mort de quelqu'un. Hein. Mais j'aime mieux être une littéraire en croyant, de façon complètement fantasmatique, parce que c'est pas vrai, mais que j'ai le droit de tout dire. Et et c'est pas vrai. Je dis pas tout, d'ailleurs. Je dis jamais tout. Mais je le vois comme un idéal de l'espace littéraire, c'est tout. Et même si c'est pas vrai, parce que je vais juste me censurer, c'est pas grave de censurer, hein, mais j'ai l'impression qu'Angot, ce qu'il y a de magnifique chez Christine Angot, c'est qu'elle a cette croyance dans un espace autre pour la littérature. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est une très belle question, puis j'ai envie de vous renvoyer la question, qui est sommé de paraître, tu sais, qui est cité à parution, là, je sais pas comment on dit ça, mais devant la justice. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est... Dans le cas d'un procès contre un livre. Oui, bien là, ouais. On le saurait, là, mais je veux dire, qui vraiment? Tu sais, c'est-à-dire que, oui, ça serait l'écrivain, bien sûr, là, mais c'est sur la question de qui est celui qui écrit ou celle qui écrit? Est-ce qu'on est le même sujet devant la loi, justement, qu'on est quel est le sujet de l'écriture, finalement? Qui est le sujet qui écrit? Est-ce que c'est le sujet qui... Est-ce que c'est le même... Vous comprenez que j'ouvre un espace qui est celui de l'impossibilité, là, dans le sens que, oui, c'est évident là, que c'est le même sujet qui écrit parce qu'on vit malgré tout dans la loi. Mais la question de Angot qui suspend la loi, qui ouvre un espace, tu sais, c'est de pouvoir dire, justement, de pouvoir... Je me souviens que dans cette magnifique conférence qu'elle a donnée avec sa fille, où, parce qu'on l'a beaucoup accusée justement d'écrire sur sa fille, elle a quand même écrit un livre où elle met en scène la mort de sa fille à la fin. Et elle dit, mais c'est... Une mort fantasmée, là? Oui, c'est ça. Oui, pardon. Parce que sa fille est bien vivante à côté d'elle dans la conférence, maintenant qu'elle a 20 ans. Et elle dit, mais... Et elle ouvre, puis elle dit, à ceux qui me disent comment peut-on écrire sur le réel comme ça, elle dit, comment ne peut-on pas écrire sur le réel, c'est-à-dire qu'elle, c'est ça qu'elle porte. On n'est pas tous nécessairement dans ce geste d'écriture-là, mais le sujet pour lequel il n'y a pas d'autre issue que d'écrire ce réel, qui ne sera pas le... Mais on existe dans un autre espace que celui de la réalité, justement. Ça reste un espace fictionnel, même si c'est la réalité, parce qu'on est dans un rapport au langage où, justement, on se permet de ne pas être... juste. C'est la question de la justice, justement. Dans l'espace littéraire, on peut ne pas être juste dans tous les sens du terme. Mais après, donc, on se permet... Donc, c'est un fantasme, bien sûr, de croire qu'on peut être quelqu'un d'autre qu'un sujet légal, que notre sujet civil. Mais on a vraiment... Puis je pense que c'est ça, ce besoin qu'on puisse... Parce que ça revient à la question de quel est le moi qui écrit. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas un... qui devient pluriel, c'est-à-dire qu'on n'est pas un moi traversé de plein de voix, puis qu'on ne porte pas cette voix-là à travers, c'est-à-dire qu'à travers l'écriture, on ne porte pas ni la responsabilité, ni le crédit, à la limite, de tout ce qui s'écrit. Donc,
pour moi, c'est la question, est-ce qu'on peut penser, même si dans les faits, on serait cité à comparaître, mais pas en tant que sujet d'écriture. Est-ce qu'on peut penser à un espace où nous ne sommes pas des sujets civils? C'était encore une question d'une grande richesse. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question? J'ai comme envie de le dire, une autre chose là-dessus. Bien sûr. Par exemple, nos rêves. Dans nos rêves, la nuit, on fait des choses terribles. on est tué, etc. Ma conception de la littérature, c'est un peu comme l'onirique, c'est-à-dire on en est responsable et pas tout à fait responsable. Oui, peut-être que j'ai tué quelqu'un la nuit dernière, j'ai tué quelqu'un, mais bon, je suis responsable et pas responsable. Et j'ai envie de demander ça pour la littérature. C'est comme des espaces, on sait ce que c'est, mais c'est des espaces un peu liminaires, c'est-à-dire je plonge dans un livre. Peut-être que ça va avoir des effets, mais si je veux vraiment poursuivre quelqu'un, je pense que c'est mieux de le poursuivre en cours que d'écrire un livre. Malgré tout, ça ira plus vite. Hein. Ou peut-être pas, en fait. Mais peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Et puis, il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus fort dans le littéraire que la loi... C'est ça que j'aime, c'est que chez Angot, elle ne croit pas tant à la loi. Elle croit qu'il y a quelque chose de plus fort que la loi. C'est quand même fou de penser ça, mais elle le pense. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui allait être avocate. Pardon? Il y a prescription. Vous voulez parler de l'inceste avec son père? Oui, c'est mais ça. Quand elle, ça, quand elle commence à écrire, il était vivant. Voilà, hein. C'est ça. Donc, c'est pas la question. Oui, tout à fait. Oui, elle écrit toujours le même livre. Mais tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a... Ce que je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui aurait pu être avocate et qui s'est mis à écrire. Comme, moi, je vois ça comme vraiment deux... existences complètement différentes, parce que peut-être que justement elle aurait, à travers tous les cas, elle aurait essayé de se défendre aussi, mais il y a eu comme un choix, il y a eu une bifurcation dans sa vie où elle a décidé d'écrire plutôt que de se défendre. Oui, mais je pense que c'est quand même si je vois ce que vous voulez dire, quand vous dites que c'est toujours le même livre, c'est quand même important de dire aussi que non, c'est vraiment pas toujours le même livre, dans le sens où justement comme le temps passe, que la société change, qu'elle vieillit, qu'elle a d'autres relations, c'est jamais le même livre. C'est aussi une chose que permet la littérature. Peut-être que la décision qu'aurait pris une cour de justice à un moment X sur un procès X aurait pu être définitive. D'ailleurs, Christine Angot en parle dans le dernier livre à un moment de ça, si ça avait eu lieu. Mais à chaque moment où elle rentre dans une nouvelle entreprise littéraire, il y a le besoin qui s'exprime dans ce livre-là d'une nouvelle forme. Et puis, ce qui est absolument formidable pour quelqu'un qui lit Christine Angot, c'est à toutes les fois de découvrir toutes les nouvelles formes qu'elle est capable de se donner, de sujet Angot, à quitter la ville, à l'inceste, à Léonard toujours, à un amour impossible. On dirait qu'elle a tellement de cordes à son arc. Puis je trouve ça important quand même qu'on le rappelle, parce que des fois, quand on parle de Christine Angot, on insiste trop sur la récurrence du sujet, alors que je pense que dans un parcours d'écriture, on a beaucoup parlé durant la discussion de ce soir des thèmes récurrents entre les deux livres de Clara. Pourtant, c'est deux projets complètement différents, deux incarnations, deux implications, et puis il y a des choses différentes qui se sont rejouées, qui lui permettent aussi à Clara d'avancer autant que c'est une richesse pour nous de recevoir ces objets-là. Donc, je trouve ça quand même important qu'on rappelle que c'est aussi une autre chose que peu la littérature. c'est incroyable, toutes les fleurs, pour le dire un peu bêtement, qu'elle a réussi à faire pousser à partir de cette expérience-là, même si, évidemment, on aurait tous souhaité qu'à un certain moment, elle puisse avoir une possibilité d'une vengeance dans le réel. Pas d'une vengeance, pardon, mais d'une rétribution judiciaire dans le réel. Mais on peut quand même... Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas censé être au centre de l'attention, mais je trouve ça important de juste ajouter ce petit... Formidable. Alors voilà, là, je pense qu'on vous garde très longtemps. Ça sentait une heure, ça fait déjà 1h30 que vous êtes là. Alors à moins qu'il y ait une dernière question existentielle qui empêcherait quelqu'un de dormir si elle n'était pas posée. Non? Est-ce que vous vouliez dire un mot de conclusion avant les remerciements ou... Je voudrais te remercier, Jeannot. C'est pas ce que j'exigeais. Tu me tends la perche. Ça avait l'air de ça, désolé.
puisqu'il le cherche, on va le faire. On va même t'applaudir. Bravo, Catherine. Bravo, Clara. C'est très sincère. Merci vraiment. Sans toi, on ne s'amuserait pas autant. Donc, et vraiment, merci pour tes questions. Ben, merci. On était un peu dans un rêve, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le temps d'une soirée avec vous, vous êtes venus dans nos rêves. Et c'est ça. Mais oui, merci pour votre écoute et merci de vous être déplacés, nombreux, nombreuses, malgré la situation toujours un peu pandémique. Je rappelle qu'on est là pour les 15 ans d'Héliotrope et que si vous avez aimé la soirée de ce soir, ben, il y en aura plusieurs autres que vous pourrez suivre en Facebook Live ou dans différentes librairies à travers le Québec. Il y aura une autre de ces conversations-là, d'ailleurs, qui aura lieu à Québec même dans quelques semaines avec d'autres auteurs, d'autres autrices d'Héliotrope. Alexandra, que je remercie encore d'avoir organisé ça pour nous, est à l'extérieur à un petit kiosque avec certains des livres dont on a parlé ce soir. Merci aussi à la Maison de la littérature de nous avoir reçus et à toute l'équipe technique et aussi à ceux qui nous ont reçus tout à l'heure. Donc, c'était un grand plaisir. Alors, merci encore. Merci beaucoup. Merci Catherine, merci Clara. Merci.